Coucou les petits loups! Aujourd'hui, nous allons lire cette histoire, Sammy le Ouistiti, prince d'Amazonie. Sammy le Ouistiti vit à Bling Bling City, une grande ville moderne à l'orée de la forêt tropicale. Riche et fier de l'être, Sammy possède 22 télévisions, un hélicoptère et 12 voitures de sport. C'est pourquoi, avec ses bagues en or et ses tongs assortis, Sammy se fait appeler Prince d'Amazonie. Si Sammy n'est pas un vrai prince, il est en tout cas le roi du chewing-gum. Chaque jour, son usine de pâte à mâcher fabrique des milliers de dragées. Et quel succès! Ici, tout le monde aime les samigoms, au délicieux goût de pastèque chenille, de bambou banane ou encore de fraises fourmis rouges. Mais ce matin, Sammy veut tester un nouveau parfum à base de citron, de piment et de scorpion. Avec ce mélange ultra piquant, se réjouit-il, je vais faire un malheur, c'est évident. Et en effet, à force de chauffer, crac, boum, patatrac, la grosse cuve pleine de pâte éclate. C'est la catastrophe. Peu à peu, une pâte chaude et écœurante se répand jusque dans la forêt. Affolés, les papillons s'envolent. Mais certains ont les ailes prises dans cette drôle de colle. Sammy, emporté par une vague de chewing-gum, joue les surfeurs sur la feuille d'un arbre. Après tout, se dit-il en sautant sur une liane, ce n'est pas si grave. Une forêt, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de vite remettre mon usine en marche et de rattraper le temps perdu. Aussi, sans se préoccuper des dégâts qu'il avait causés, le petit Ouistiti retourne travailler. Ouf, la cuve est à présent réparée. Seulement, à force de s'agiter, Sammy a très chaud. Il boirait bien un grand verre d'eau. Mais, en ouvrant le robinet, une mauvaise surprise l'attend. Un liquide ressort du tuyau. Burk! On dirait un gros asticot. Furieux, Sammy décide d'aller voir le fleuve, d'habitude si pur, qui arrose Bling Bling City. En arrivant sur place, il comprend tout. De la pâte à chewing-gum a coulé dans l'eau. C'est dégoûtant, rouspète Sacha le piranha. En plus, j'ai du mal à respirer maintenant. Sammy est désolé, car il sait que c'est de sa faute. Plus loin, il croise Armand le caïman. « Bouhouhou !» pleurniche celui-ci. « En me baignant tout à l'heure, j'ai bu la tasse, et maintenant je suis ridicule, car quand je parle, je fais des bulles. Bouhouhou !» Armand veut se moucher. Mais une grosse bulle sort de son nez. Elle grossit, grossit, et paf, explose à la figure de Sammy. Armand éclate de rire, et aussitôt, des dizaines de bulles jaillissent de sa gorge. Effrayé, le Ouistiti s'enfuit, en poussant de petits cris. Un peu essoufflé, Sammy s'arrête près d'une fleur magnifique. Il se penche pour la respirer. Pouah ! Mais ça sent le bonbon chimique ! S'écrie-t-il surpris. Comment est-ce possible ? C'est simple, répond Clément le toucan. Avec ses racines, la fleur a bu la pâte qui vient de ton usine. Tu sais, poursuit Clément, les plantes sont comme nous. Ce sont des êtres vivants qui respirent et se nourrissent. Regarde cet arbre,
À force d'absorber du chewing-gum, ses fruits commencent à pourrir. Et justement, splatch! Une noix de coco se décroche et s'écrase mollement sur le crâne de Sammy. Avec toutes ses émotions, Sammy commence à avoir faim. Mais il a beau chercher, il ne trouve rien. « Moi aussi, je suis affamé !» gémit Omar, le tamanoir. « Il n'y a plus une seule fourmi rouge à grignoter. Si ça continue, ma famille va disparaître, et moi avec !» Sammy a honte et se met à pleurer. À cause de lui, tout le monde a des ennuis. Hé, va donc piailler ailleurs, grogne Mathieu le paresseux. Même poisseux, j'aimerais dormir un peu. Et moi, rugit Balthazar le jaguar, j'apprécierais qu'on enlève cette glu sale qui me colle au poil. Mes amis, dit Sammy en s'essuyant les yeux, je vous demande pardon. Grâce à vous, j'ai compris la leçon. La nature est sacrée, je dois la respecter. Faites-moi confiance, je vais tout arranger. » Et dans les jours qui suivent, sans ménager ses efforts, le petit Ouistiti se met à nettoyer la forêt. Enfin, la jungle est de nouveau propre. Quel paradis ! Aussitôt, les papillons reviennent et sur les arbres, les bons fruits repoussent aussi. « Bravo !» applaudissent les animaux. « À présent, Sammy, tu es vraiment notre prince d'Amazonie !» Et voilà les petits loups, c'est déjà terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter nos autres histoires. À bientôt !